Déjà, ben, bienvenue pour ceux pour qui c'est la première fois dans nos Webiris, hein, puisque ce sont des séries de webinaires que nous avons mis en place tous les 15 jours, le jeudi, de 18h30 à 19h45. Parfois, on déborde un petit peu, mais en général, on essaie de pas trop, hein, on peut déborder 5-10 minutes, voilà, donc je vous préviens. Mais bon, on reste à peu près dans le cadre. Donc, ce sont des webinaires qui ont pour objectif de faire connaître la créativité réellement. Qu'est-ce que c'est que réellement la créativité? Parce qu'on en parle beaucoup, mais finalement, souvent, on se fait plein d'idées un peu abstraites sur le sujet. Et surtout, à quoi ça sert? Et à quoi ça sert dans beaucoup, beaucoup de domaines. Alors, bon, rien ne vaut des images. Hop, voilà, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Très bien. Alors, je mets Laurence. Voilà, alors, la créativité, ben, ça sert à beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. On s'est aperçu qu'il y avait des publics qui ne savaient pas très bien ce qu'ils pouvaient faire de la créativité et comment ils pouvaient l'utiliser. Et voilà, et l'objet de ces webinaires, c'est d'aborder beaucoup de thématiques, des thématiques métiers, des secteurs d'activité, et des fonctions aussi parfois, et de démontrer, d'expliquer comment est-ce qu'on pouvait intégrer la créativité dans tous ces périmètres-là. Et comment? Avec à chaque fois des exemples et puis surtout, la plupart du temps, un peu d'expérimentation pour que ben, les personnes puissent toucher du doigt ce que ça peut provoquer, et notamment en termes de compétences, hein, de compétences nouvelles que ça peut faciliter. Alors, la créativité, ben, c'est quoi? Ce sont des méthodes, des méthodologies, des processus, des techniques, et puis une posture aussi, hein, une posture, une façon de penser. Et ça, voilà, ça peut être utile dans tous ces sujets. Et là, on parle donc de domaine, secteur d'activité, mais on parle aussi de métier et donc de fonction aussi. Et bien sûr, qu'est-ce que ça permet de développer? Ça permet de développer une culture collaborative créative. Nous, on parle chez Iris d'intelligence collective créative. On parle beaucoup d'intelligence collective, hein, maintenant. Et c'est vrai que nous, notre ADN, c'est vraiment l'intelligence collective créative pour permettre dans toutes les démarches, que ce soit d'innovation ou de coopération, de faire autrement, hein, d'ouvrir des portes nouvelles. Ça permet de changer son regard sur les situations, les problématiques, les rôles des personnes, les relations. Ça permet de renforcer la cohésion d'équipe et ça permet aussi surtout de travailler autrement. Nous, on aime bien parler de travamuser, hein, chez Iris. Et la créativité, comme disait Albert Einstein, c'est l'intelligence qui s'amuse. Et donc, c'est bien ce qu'on va essayer de faire ensemble, en tout cas de vous transmettre à travers nos Webiris. Voilà. Alors, aujourd'hui, hop, je vais juste essayer de sortir de ça, si ça veut bien, et arrêter le partage d'écran. Aujourd'hui, c'est avec Laurent Solderman, que vous allez Bonjour. aborder le sujet du jour, que vous allez aborder le sujet du jour qui est donc comment est-ce qu'on peut co comment est-ce qu'on va comment dire se rentrer dans cette démarche d'expérience client avec la créativité. Et comment est-ce qu'on va aborder des démarches d'innovation, que ce soit produit ou service, avec de la créativité pour booster l'expérience client. Donc Laurent, bah, je vous le présente en deux mots, puis après je lui laisse la parole. Laurent a passé plus de 20 ans, hein, dans les études et le conseil marketing. Voilà, avec des clients comme Danone, Amazon, Renault, Philips, Pernod Ricard, Google, etc. Hein, et j'en passe. Et donc, son leitmotiv pendant ces 20 ans, c'était de comprendre les gens, leurs usages
et les besoins pour pouvoir conseiller ben, les marques, qu'elles soient grandes ou petites, dans leur stratégie marketing et innovation. Et puis, il a passé 10 ans comme enseignant en marketing et innovation. Et à ce moment-là, bah, il a fait un peu comme Monsieur Jourdain. Il a fait de l'intelligence collective sans le savoir. Et il est arrivé chez Iris. Et pour se former donc, à la facilitation en intelligence collective et créative. Et là, ça lui a permis, dixit Laurent, d'ouvrir ses chakras. Et de plonger dans l'équipe Iris que certains d'entre vous connaissent, dans l'équipe et la communauté Iris, hein, c'est-à-dire toutes les formateurs Iris, mais aussi la communauté de certifiés Iris. Voilà, et le credo de Laurent, c'est « tout est possible ». Et aujourd'hui, bah, il veut aider les entreprises et les hommes à déchaîner, comme il l'écrit en deux mots, leurs rêves. Alors, je vais laisser la parole à Laurent. Et je vais te laisser partager l'écran, écran à toi, ta présentation, pour parler de ton sujet. Moi, je suis avec vous et je vous retrouve tout à l'heure. Alors, attends, je me mets juste sur le bout. Voilà, je ne sais pas si vous voyez l'écran. Mm-hmm. C'est bon ouais. Vous avez le roller coaster que vous voyez derrière. Donc, moi, je vais vous parler en fait de tout ce qui est en fait créativité, mais au service de quelque chose d'assez large, mais qui va de l'innovation dans les produits-services, le travail sur tout ce qui est l'expérience client aux différents stades où le client peut être en contact avec une marque, un service. Voilà, ça peut être avec le site, ça peut être avec le call center des clients, enfin voilà, pour des réclamations ou autre, un petit peu à tous ces niveaux-là. Et donc, l'idée, c'est d'essayer de vous montrer comment, quand on a identifié, par exemple, un point, un endroit où on a besoin d'améliorer ça, comment est-ce qu'on peut aller utiliser la créativité pour ça. Alors, voilà. Donc, en fait, moi, ma spécificité, c'est vrai que je viens des études de marché, des études de marché qualitatives. Donc, ce que j'aime bien faire aussi, c'est parfois marier à la fois la créativité et puis des moments où on va vraiment aussi comprendre ce dont le client a besoin, quels sont ses usages, etc. Enfin, voir vraiment concrètement quels sont les problèmes qu'il peut rencontrer, les points où il est super satisfait, les points où, en fait, pour lui, ça ne marche pas bien, il n'est pas content et parfois, il n'est tellement pas content qu'il n'a pas envie de revenir ou qu'il va laisser tomber la main. Et donc, l'idée, c'est, une fois qu'on a identifié un petit peu tout cela, de voir sur lesquels on va pouvoir aller appliquer la créativité pour faire qu'on a des parcours clients ou des produits ou des services qui soient plus fluides, qui soient plus fun et qui soient mémorables, en fait, pour les différents clients ou les prospects, etc. Alors, je vais vous proposer pour rentrer un petit peu, déjà un petit peu peut-être se connaître et puis rentrer un peu dans le sujet, puisque vous allez voir, on va réutiliser un petit peu ce mode de fonctionnement par la suite. Je vais vous proposer d'aller dans le chat et de me dire, en fait, si vous étiez un animal, alors vous pouvez prendre dans ce qu'il y a sur la droite, mais vous pouvez prendre n'importe lequel. Et en fait, peut-être pas choisir un animal qui est proche de vous aujourd'hui. Je ne sais pas si on est très chat, on se sent très chat, pas forcément choisir un chat, mais choisir un animal qui est peut-être un peu plus loin et un animal dont qu'on rêverait d'être parce que justement, il a un peu des facultés qu'on n'a pas tous les jours et que si on les avait, on serait super content. Et du coup, voilà, choisir cet animal-là et puis aller partager dans le chat si vous étiez cet animal-là, qu'est-ce que vous pourriez faire, qu'est-ce que ça changerait pour vous, qu'est-ce que voilà, ça transformerait ou qu'est-ce que ça vous aiderait à faire. On a Isabelle qui nous dit « je serai un dauphin ». Alors Isabelle, essaie d'imaginer du coup ce que ça t'amènerait, quoi, en fait. Qu'est-ce que ça transformerait chez toi? Qu'est-ce que ça te permettrait de faire? Audrey nous dit par exemple « dauphin, sensation ». Alors désolé pour l'orthographe, je n'ai pas fait exprès, j'ai mis la… Pas grave, pas grave. T'inquiète pas. Si j'étais une girafe, Sandrine nous dit « je pourrais voir le monde de haut et me pencher dessus pour voir de plus près ». Super. Esther nous dit « si j'étais un éléphant, j'aurais une mémoire extraordinaire, je n'oublierai aucune information concernant mes clients ». Ok, super. Marie, « si j'étais un animal, je serais une girafe, okay, pour voir loin, mieux appréhender l'avenir, prospecter ». Emmanuel nous dit « si j'étais une panthère des neiges, je pourrais observer, je serais indépendante, je serais rapide ».
Iris, ça doit être C'est Isabelle. moi, c'est Ah, Non, c'est c'est moi. Émilie. Émilie, je jouerai tous les jours avec. Ah non, pardon, un Non. million pour voir de haut et de loin. À Milan. Isabelle Mougard nous dit, je jouerai tous les jours avec ma tribu dans un environnement apaisant. Alors, je pense que c'était le dauphin. Ouais, c'est ça. Sandrine propose à Marie de venir dans sa savane. Anne, une girafe. Encore décidément, les girafes faisant du succès pour prendre la hauteur. Ça me permettrait de regarder le fonctionnement des structures en observateur. Sylvie dit, si j'étais un colibri, je pourrais découvrir tous les parfums des fleurs. Joli. Et Laurent, si j'étais un oiseau, je pourrais voler très et aller très vite d'un point A rapidement. Ok, super. Je ne sais pas si on a tout le monde, mais j'ai l'impression qu'on a pas mal de monde. Est-ce qu'il reste des personnes qui n'ont pas choisi leur animal? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze. On a 11 personnes qui ont choisi. Bon, je pense qu'on a fait le tour. C'est Ah. Isabelle qui n'a pas choisi. Isabelle Jacob qui n'a pas choisi son Allez, animal. on va laisser Isabelle choisir. Alors, vous verrez un petit Alors peu. Isabelle, juste, j'en profite pour dire que présenter Isabelle quand même. Isabelle est la fondatrice d'Iris Créativité. Voilà. Et Isabelle dit, si j'étais un chat, je me sentirais éminemment libre et en mesure de décider ce que je veux, avec qui j'aimerais jouer, contempler ou ne rien foutre. Ok, super. Alors, du coup, bah, vous allez voir tout à l'heure pourquoi j'ai fait un petit peu cet exercice de show. Voilà, ça me permet un petit peu de connaître des envies de certains. Ensuite, alors du coup, je voudrais juste rappeler quelques petites, enfin la charte un petit peu de notre fonctionnement. Je vous ai mis par des images parce que voilà, je veux aussi vous entraîner à partir d'images et à imaginer à partir de là. La première chose, eh ben, le petit mégaphone, ça serait bah, de dire que vous êtes là pour vous exprimer. Donc, dites-nous tout ce qui vous vient à l'esprit quand on va faire les exercices, etc. Enfin, vraiment, laissez-vous aller à dire ce qui vous vient à l'esprit sans réfléchir, sans censurer ce que vous pourriez dire. La petite oreille, ben, bien sûr, c'est pour écouter les autres. Et tout ça, pourquoi? Pour que, en fait, avec les mains, on aille chercher ensemble des idées. Parce qu'en fait, très souvent, on peut avoir une idée, puis l'autre personne va émettre une autre idée. Et ce qui est intéressant, c'est parfois quand elles se croisent. Donc, n'hésitez pas à rebondir sur les idées des autres et aller plus loin à chaque fois. C'est vraiment ça aussi qui fait la force de l'intelligence collective. Les deux derniers, le petit oiseau, ben, en fait, c'est juste pour vous dire que tout ce qu'on va dire là, c'est important de respecter un, ce que disent les autres, de ne pas censurer, de l'accueillir, de le protéger et tout ça, enfin, toutes ces idées qui viennent se dire qu'elles sont toutes bonnes et voilà, donc il faut qu'on les exprime et puis après on verra ce qu'on en fait. Et la toute dernière, bah, c'est juste pour vous dire qu'en fait, tout ce qu'on se dit ici, ça reste entre nous. Donc, sentez-vous super libre, allez-y, faites-vous plaisir surtout, c'est ce qui est le plus important. On va aller faire un tout petit exercice que j'aimerais bien que vous partagiez dans le chat. Tous ceux dont vous avez rêvé, mais que vous n'avez jamais osé demander par rapport au marketing, à vos produits, à vos services, à votre expérience client. Alors, si vous êtes plutôt d'ailleurs ouais, fournisseur à la limite, enfin plutôt voilà, fournisseur de services, je ne sais pas, pensez à ça dans votre vie, dans votre vie de tous les jours, ou même par rapport à votre offre à vous, hein, tout simplement. Voilà, donc dans le chat, là aussi, juste aller mettre en une ligne, par exemple, quelque chose dont vous avez rêvé, que vous aimeriez faire par rapport à votre marketing, vos produits, vos services. Alors. Pascal a dit déposer une méthodologie. Peut-être Pascal, si tu peux préciser un petit peu ce que ton rêve derrière, c'est quoi? Pouvez mettre plusieurs demandes, hein, plusieurs rêves. Peut-être à l'oral aussi, même, hein, Ouais. Pascal, si c'est plus facile de le préciser à l'oral. Pascal, tu veux nous dire. D'accord. OK. Avoir plus de. OK. Alors, Marie a dit créer une offre. Haute couture, de formation de conseil sur mesure et pas que taille mannequin. Super. Proposer un atelier surprise à partir d'une clarification des objectifs. Ok. Publier des contenus réguliers sur des sujets qui m'animent sur différents réseaux. Sandrine. Audrey, elle dit instantané. Alors là aussi, Audrey, peut-être précise-nous un petit peu, même par oral, si tu veux. Réussir dans l'instantané, ce qu'on pense, on réussit à le marketer tout de suite, en fait. Donc, ça serait D'accord. l'idéal, puisqu'en fait, après, on a déjà une autre idée. Donc, Ah, ok.
Ok. Marie nous dit écrire un blog, Laurence avoir des leads qui arrivent tout seul. Ok, donc avoir des leads, des contacts clients qui arrivent tout seul. Ok, super. Pas mal de choses sur marketer son offre, quoi, en fait. Marie, créer des échanges innovants avec les clients. Ok. Ok. Bon, je vais passer à la suite. Là, si vous avez d'autres idées, à la limite, d'ailleurs, même à la fin, si vous avez d'autres éléments comme ça ou des choses que vous voulez nous envoyer au contact Iris, vous pouvez nous faire parvenir. Alors, je vais aller vous. On va passer à la partie suivante. On va aller voir pourquoi la créativité et l'intelligence collective dans le marketing et comment on peut les utiliser. Alors, la créativité et l'intelligence collective, qu'est-ce qu'elle peut nous amener? Elle peut. Alors, j'ai vu d'ailleurs dans le chat, il y avait des choses sur se différencier. Ben justement, en fait, elle nous peut nous permettre de sortir des produits qui se ressemblent tous, des services qui se ressemblent tous, et d'aller chercher un petit peu les éléments un peu différenciants qui peuvent venir ben voilà, amener une touche en plus, quelque chose dans notre mix, en fait, hein, parce que vous savez qu'aujourd'hui, le mix, ce n'est pas juste quatre éléments, mais c'est 8, 10 en fonction des produits ou des services qu'on a. C'est d'aller amener des éléments différenciants là-dedans. C'est permettre aussi grâce à la créativité, d'aller chercher de l'innovation qui soit au-delà de l'innovation incrémentale. L'innovation incrémentale, c'est l'innovation où on va rajouter un petit plus qui améliore. C'est la lessive qui lave plus blanc que blanc, quoi. Mais en fait, voilà, on vient toujours amener un petit plus, mais un produit existant, pour passer dans une innovation plus rupturiste où là, en fait, on va transformer vraiment le produit, l'expérience client. Bah, vous pouvez penser par exemple à ce qu'a fait Apple à un moment donné, où ils ont vraiment transformé la façon de faire sur plusieurs produits par rapport à ce qui se faisait avant. Et c'est aussi un moyen de refonder l'expérience client, c'est-à-dire de passer d'une expérience client qui est basée sur des fonctionnalités. Moi, je vois encore beaucoup, beaucoup de fabricants, voilà, de marques qui proposent des fonctions en fait, dans ce qu'ils font, que ce soit sur les sites, dans leurs produits, etc. Et qui ne réfléchissent pas toujours à proposer en fait, une expérience client qui soit fluide, qui soit agréable. Voilà, ne serait-ce que si on va sur des sites web, ça se voit très, très clairement. Et puis, un des derniers points moi, que je trouve très important, c'est que, en fait, avec l'intelligence collective, on va pouvoir aller inclure les clients, les usagers, mais aussi les employés de l'entreprise. Et je vais vous parler d'un exemple dans lequel on a fait ça. Et là, c'est aussi super intéressant parce que en fait, bah, ça permet de mettre en fait en regard à la fois les usagers et les employés. Quand je dis les employés, c'est toutes les personnes qui travaillent dans l'entreprise et donc qui vont à un moment donné servir ou aider les clients, les usagers à être satisfaits. Et donc, en fait, ben, cette intelligence collective, on peut inclure à différents stades ou ensemble, à voir en fonction des cas, ces différentes personnes-là, intervenants là ou acteurs pour faire que ce qu'on propose soit plus fort. Pour aller faire cette créativité, alors aujourd'hui, on va travailler sur un point particulier que je vais essayer de vous faire sentir, c'est le détour créatif. Qu'est-ce que c'est que le détour créatif? Alors, la créativité, beaucoup pensent en fait qu'il suffit de se mettre autour d'une table, de faire une espèce de brainstorming avec des post-it. Mais en fait, souvent, très souvent, quand on fait ça, on a des idées qui sont assez plates, voilà, qui n'arrivent pas à décoller en fait, du réel. Et dans la créativité, c'est une des difficultés, c'est d'arriver à ce que en fait, les gens qu'on va utiliser dans cette intelligence collective puissent décoller vraiment du réel et aller proposer des choses surprenantes, innovantes, déroutantes, complètement folles, qui vont nous permettre d'aller un step au-dessus de ce qu'on a d'habitude. Du coup, pour ce détour créatif, qu'est-ce qu'on va faire? La créativité, en fait, elle va nous aider à changer de regard sur ce qui existe déjà. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller regarder ça autrement. Prendre une autre approche et aussi tester des combinaisons différentes, inédites, etc. Et là-dedans, il y a un élément qui est important, c'est le détour créatif. Qu'est-ce que c'est que le détour créatif? En fait, si on essaie de faire de l'innovation, on essaie de faire travailler les gens en leur faisant chercher des solutions par rapport à un défi, un challenge, une problématique qu'ils ont. Si on les laisse fonctionner avec la démarche logique qu'on a d'habitude, ben en fait, ils vont aller chercher des solutions qui sont assez cartésiennes, terre à terre, etc.
Et justement, par le détour créatif, on va essayer de les faire sortir de cette démarche logique pour les éloigner de ça, pour qu'ils aillent faire un détour qui va les amener à penser à quelque chose de nouveau, de différent. L'idée, c'est d'aller libérer l'imaginaire avec ce détour créatif. Un exemple de ça, en fait, hein, c'est quand... par exemple, parce que pendant un brainstorming, justement, en fait, ils cherchaient comment renouveler les déodorants. Et à l'époque, les déodorants, bah, c'était tout simplement des sprays, des choses comme ça. Et il y a une personne qui, en fait, avait son stylo bic comme un bic. Et qui s'est dit, mais en fait... Si je mélangeais ça, le déodorant et le stylo bille, et ça a donné les déodorants avec les rollers. En fait, voilà. Donc, grâce à un autre objet, on a pu faire ce détour et aller créer quelque chose qui était, on va dire, une révolution dans le déodorant. Le détournement créatif, je vais vous montrer des petits exemples. Voilà. Le détournement créatif, bon, il y a un artiste qui fait ça très, très bien, qui s'appelle Tom Bob. Et ce que lui, il prend des objets du quotidien. Et il va les détourner pour en faire autre chose. Donc, je vais vous montrer un premier exemple. Voilà, il prend les objets, il va aller imaginer quelque chose de complètement différent de loufoque, de farfelu. Je vous montre un deuxième exemple. Voilà. Et voilà, je vous ai mis une petite batterie de choses qu'il propose ou sur lesquelles il va faire des détournements. Et c'est un peu là-dessus qu'on va travailler aujourd'hui, un petit peu là-dessus, cette idée d'aller prendre des objets, d'aller prendre des éléments et d'essayer de les prendre pour qu'ils nous emmènent ailleurs, qu'ils nous emmènent notre imaginaire ailleurs. Voilà, donc en fait, quand on fait la créativité, par exemple, pour faire ces détours créatifs, on s'aide de différents éléments. On va pouvoir faire ce qu'on appelle des connexions forcées, par exemple. On va utiliser, par exemple, des photos. On va utiliser des cartes qui nous proposent des suggestions. Et si je vous en montrerai plus tard dans l'exemple. On va utiliser, par exemple, aussi des consultants créatifs. Par exemple, là, vous avez une partie de la collection des cartes d'Iris. Donc, l'idée, ça va être, ben, si, en fait, Gandhi... regardez ce problème-là, cherchez à trouver une solution à ce problème-là, qu'est-ce qu'il nous proposerait? Si c'était Lady Gaga, qu'est-ce qu'il nous proposerait? Et donc, vous voyez qu'en fait, à chaque fois, on va aller prendre un regard différent, une approche différente, un caractère différent qui fait que ben, la personne va proposer quelque chose de complètement différent. Ça va nous aider, nous, à aller nous projeter dans des propositions différentes. Vous avez les cartes à gauche, c'est un petit peu la même idée. En fait, c'est d'aller prendre, vous voyez, quand soudain des effluves de chocolat. Eh bien, qu'est-ce que ça va nous inspirer, ça? Qu'est-ce que ça va nous permettre d'aller imaginer et d'aller projeter sur notre invention, enfin, sur notre problématique? Je vais vous montrer en fait maintenant un exemple qu'on a fait avec un client que j'ai fait il y a quelque temps. Et donc, c'était pour une mutuelle. Et en fait, cette mutuelle voulait, on va dire, refonder toute son expérience client et voulait aussi retravailler sur la façon dont son équipe abordait toute l'expérience client et comment ils travaillaient ensemble. Donc, il y avait presque deux objectifs derrière ça. Dans ce détour, enfin, dans cette journée, on a fait ça sur une journée, on a utilisé à un moment donné des cartes SI. Et vous voyez, en fait, là, on a quelques exemples de SI qu'on a proposés pour aider les gens à aller se projeter dans qu'est-ce que pourrait être une mutuelle. Par exemple, si demander un remboursement était aussi chouette que de commander ses repas chez Uber Eats. Qu'est-ce que ça serait la mutuelle si la grille de remboursement était compréhensible par un enfant de 8 ans? Voilà. Et si se faire rembourser était une fête comme un cadeau d'anniversaire. Vous voyez, on avait tout un tas de cartes comme ça qui aidaient à faire que les gens puissent se projeter plus loin, mais toujours, vous voyez, avec l'aide d'un objet, de quelque chose qui fonctionne autrement et qui nous permet d'aller imaginer d'autres façons d'imaginer l'expérience client, d'imaginer les produits, les services qu'on propose à nos clients. Et d'imaginer aussi, d'ailleurs, la façon dont nous, on va construire notre offre et nos services par rapport à ça. Ça a donné des choses comme les éléments suivants. Donc là, je vous montre vraiment les concepts qui sont sortis à la fin de la journée, en fait, de cette journée de travail.
avec l'équipe marketing, hein, en l'occurrence. Ça avait été fait dans le cadre, on avait eu aussi des groupes avec les utilisateurs et des entretiens, mais enfin là, c'était la journée qui avait été faite suite à ça, la journée avec l'équipe marketing. Donc, vous voyez là, par exemple, ils sont à imaginer, Camille et vous, qui est l'idée, c'était de trouver un moyen pour communiquer avec les clients, mais de manière un petit peu ludique, un peu fun, sortir de ce côté un peu institutionnel que peut avoir la mutuelle, voilà, rendre ça plus proche et plus sympa. Donc, ils ont imaginé que ben, la voix, on va dire, de la mutuelle, c'était une YouTubeuse. Et donc, l'idée, c'était de faire des vidéos YouTube ou autres et de les diffuser de cette manière-là. La deuxième idée, c'était de. Alors, dans cette mutuelle, ils avaient une problématique, c'est qu'ils avaient plusieurs. Leurs clients, enfin, leurs adhérents étaient très différents. Il y avait des gens de la fonction. C'était des gens plutôt de la fonction publique, mais de la police, de l'armée, de la justice, etc. Et donc, ils pouvaient avoir des besoins différents. Donc, l'idée, ça avait été ici de dire bah, c'est l'enfant d'un policier, c'est l'enfant d'un juge, c'est l'enfant d'un militaire qui va aller parler et exprimer ben, les choses que la mutuelle pouvait apporter à ses différents adhérents. Et après, il y avait deux autres choses que j'ai passées assez vite, qui étaient plus de côté interne. Là, ils avaient imaginé de l'info minute, c'est-à-dire l'info qu'on pouvait avoir tous les jours en arrivant sur le travail, de manière très succincte sur les nouveaux projets, tout ce qui se faisait, tout ce qui changeait dans l'entreprise. Et ça allait jusqu'à l'espace, en fait, puisqu'on travaillait aussi sur l'espace dans lequel ils travaillaient. Voilà. On va aller voir un cas, enfin, on va aller travailler, nous, donc du coup, s'amuser sur un exemple qui est, j'ai pris le cas SNCF, et donc je vais vous expliquer tout ça. Bon, donc en fait, juste, je vous le dis, ici, par exemple, là, on aurait pu faire une petite chauve qui était, on serait imaginé ce qu'on pouvait faire avec un trombone, tout ce qu'on pouvait faire avec ça, pas forcément lié avec le sujet, mais juste pour se chauffer l'esprit un petit peu, pour aller... pour mettre les gens un petit peu dans le, voilà, de les faire s'entraîner, s'échauffer avant de faire l'exercice. Alors, ce que je vais vous proposer, on va vous mettre en sous-groupe, c'est d'imaginer comment on pourrait aller améliorer l'expérience SNCF. Quand je dis l'expérience SNCF, l'expérience client, ça peut être à tous les niveaux. Ça peut être au niveau du site, ça peut être au niveau de l'offre, des services, quand je suis dans le train, je ne sais pas, quand j'arrive en gare, etc. Toutes les choses qui, par exemple, aujourd'hui, quand vous prenez le train, vous agace ou que vous aimeriez faire mieux ou vous aimeriez que ça soit différemment, etc. Ça peut être pour moi, ça pourrait être pour mes enfants, ça pourrait être pour ma belle-mère, je ne sais pas, vous pouvez imaginer un petit peu tout ça. Donc pour ça, on va vous proposer d'aller sur Miro. Alors, on va vous partager le lien dans le chat. Alors, juste, j'explique un petit peu. Donc, vous allez arriver sur Miro. Vous allez avoir une banque d'images, je vais vous montrer tout de suite, sur lequel en fait chacun ira choisir deux ou trois photos qui l'inspirent, voilà, qui aiment bien, voilà, qui le font venir des idées, etc. Et puis après, il va aller proposer ces photos au groupe qui vont imaginer ben, toutes les idées qui leur viennent par rapport à cette image, ce que ça pourrait changer. Voilà. Donc laissez-vous imprégner par l'image. Laissez venir un petit peu les idées que ça vous amène, en pensant peut-être à différentes problématiques, différentes. Vous pouvez choisir une problématique hein, spécifique, par exemple, sur la SNCF, si vous voulez travailler sur le site, je sais pas, quand on est en wagon, ou de manière très très large. Alors, Si est-ce tu que. me permets, pardon Laurent, je t'interromps. Ok. Si tu permets, justement, je pense que j'ai envie de dire surtout que justement, choisissez quelque chose de spécifique, enfin une chose spécifique, c'est-à-dire un défi spécifique. Sur quel sujet spécifique vous avez envie de vous amuser à faire une divergence créative, hein? Est-ce que c'est le site? Est-ce que c'est l'offre? Est-ce que c'est le voyage, le parcours du voyage? Voilà. Mais ne cherchez pas à tout traiter, choisissez un thème d'entrée. J'ai pas Alors, je ces vois, photos. Hein. on a 4-5 Comment? Qu'est-ce que tu personnes. dis? Tu... Moi, je suis sur le site, là. Je suis sur Miro. Ouais, ok. Ouais. Et j'ai pas de photos. Non, les photos, elles vont Non, venir. non, les photos, elles sont Ah. à... Je vais vous expliquer. Je vais vous partager D'accord. le. Alors, je vais juste repartager Miro. Alors, Merci. juste pour vous dire, on va vous envoyer dans des groupes. Vous allez voir, en fait, vous avez deux colonnes. À chaque fois, on pourra rester sur les deux premières d'ailleurs, je pense. La première, c'est divergente, on va aller travailler là-dessus pour le moment.
Donc, dans cette colonne-là, vous avez groupe 1, groupe 2, vous avez des cadres où il y a marqué groupe 1, groupe 2, etc. Donc, allez dans le groupe qui s'affiche, en fait, dans lequel vous allez être envoyé. Vous avez des La titres. salle, pardon, le numéro correspondra si vous êtes en salle 1, vous prenez le groupe 1, si vous êtes en salle 2, Voilà. groupe 2, salle 3, groupe 3. Vous avez des petits post-it sur la gauche, en fait, de votre groupe qui vous permettent d'aller mettre des idées. Et vous allez voir, encore plus sur la gauche, vous avez un lien pour Unsplash. Je vais vous mettre quand même aussi dans le chat pour que vous puissiez aller chercher les photos. Et les photos. Alors voilà, ce que je vous disais, bah, choisissez peut-être une ou deux photos, on va se dire peut-être deux photos au maximum par personne. Ça va pour tout le monde? Ouais. Donc on est bien d'accord, Laurent, que pour l'instant, c'est première étape, phase de divergence. Après, vous Voilà. revenez en salle et vous repartirez pour la phase de convergence avec Voilà. les consignes. Donc l'idée, vous allez prendre les photos. Et en groupe, pour chaque photo de chaque personne, vous allez aller chercher un petit peu toutes les idées que vous pouvez trouver. Et ne cherchez pas si elles sont réalisables ou pas. Ce qui nous importe, c'est les idées pour le moment. Donc il est 19h14. On va se dire qu'on se donne 15 minutes. Donc sur 19h30, pour faire cette première partie. N'inscrivez pas, quoi. Bon, vous avez compris le principe. Juste peut-être, est-ce que c'était compliqué? Est-ce que voilà, vous arriviez bien avec les images à projeter, à Ah. avoir des idées ou... Oui. Allez, ça vous a aidé? Ça vous a Mais aidé à vous avoir avez... Ah, les des idées? images, oui. Ah oui. OK. Ah ouais, les images, Alors, oui. ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va passer dans la phase convergence. Là, on imagine, on a fait ça pendant une heure et demie avec tous les groupes. Voilà, donc on a plein, plein, plein d'idées. Et en fait, l'idée. À partir de là, la prochaine étape, c'est de se dire, ben, on va choisir en fait certaines idées qu'on trouve vraiment bien ou qui nous plaisent et on va aller les développer, essayer de trouver des applications donc plus concrètes du coup, aller vraiment concrètement dans les actions qu'on peut faire, les applications concrètes ou autres, quoi. Parfois, on a des idées qui sont très vagues, ben, voilà, aller les développer, voir concrètement ce que ça peut amener, ce qu'on peut faire. Donc, ce que je vous propose, c'est de choisir dans chaque groupe une idée assez dingue, une idée un peu fofolle. Si vous êtes sur Miro, vous allez voir dans la colonne de droite, vous avez un petit truc avec idée fofolle. Donc voilà, une des idées les plus fofolles que vous avez trouvées, vous choisissez donc dans le groupe. Et une idée que j'ai appelée idée coq en pâte, c'est l'idée je suis à la SNCF, c'est trop trop cool, je suis super chouchouté et tout ça. Et du coup, cette idée-là, ben, elle m'amène ça, quoi, en fait. Voilà. Choisissez une de chaque et après, pour chaque idée, vous allez aller chercher des actions, je sais pas, des fonctions qu'ils peuvent offrir, des expériences, des services qui vont illustrer ça, quoi. Et bah, voilà, vous développez ça. Et, On pète en idée au coq en pâte. pardon, idée coq en pâte, c'est ben, l'idée où quand je vais à la SNCF, je suis comme si quand je vais dans un 5 étoiles, quoi, en fait. On s'occupe Ah, super bien de ok, très moi, le truc que je vis, c'est un truc bien. dingue. Voilà, je ressors de là. D'accord. Tu vois, voilà, c'est un petit peu ça le truc. Et voilà. Et puis après, quand vous avez un petit peu fait tout ça, on va passer, je pense, une dizaine de minutes, on va faire un petit peu plus court, ben, que en fait, vous reveniez en groupe avec un exemple d'idées fofolles et d'actions concrètes fofolles et une coque en pâte. Et peut-être que on partagera dans le chat. Ou, je pense qu'on aura le temps à l'oral, mais on mettra moins dans le chat. Ça va? Allez, groupe 1, vous vous sentez d'attaque? Ou qui veut commencer? C'était quel groupe, hein? C'était C'était vous, nous. Emmanuel. Ah, c'était Anne, Audrey, Emmanuel. Voilà. Ouais, enfin, ça vous va, les filles? Vas-y, ouais, vas-y, Emmanuel. Alors, la première idée, c'était, ça nous est venu à partir d'appareils photo et d'une machine à coudre. En fait, c'est d'avoir un voyage surprise qui se crée au fil du rail, en fait, au fil du, comment dire, Son comment déplacement, dire, quoi. voilà, au fil du déplacement, voilà. Donc, ce qui veut dire que, en fait, on nous montre des photos, on nous montre des endroits à voir et on peut descendre à la station que l'on souhaite, on peut demander qu'on nous organise une soirée surprise, des choses comme ça. Voilà. Des choses à l'arrivée du train, un Alors, repas, des choses à l'arrivée commander du un repas, train, enfin, enfin voilà. voilà, qu'on nous prenne un peu en charge et surtout, il y a la notion de surprise. Voilà. Et des choses qui correspondent aussi à ce que l'on aime faire. Le deuxième sujet,
c'était, alors on avait dit, ah oui, on avait une balançoire, donc ça nous a donné l'idée d'un voyage bien-être avec des sièges massants, avec des possibilités de faire des manicures, je ne me rappelle plus d'ailleurs, et avec des possibilités de... Se faire coiffer, voilà. Et que les cabines soient modulables, en fait, que l'espace soit modulable et que l'on puisse soit être complètement en zone d'intimité ou être par 4, par 5, mais que tout soit modulable comme on le souhaite. Voilà. Jusqu'à faire tout un wagon en cinéma, quoi. Ouais, c'est ça, j'ai oublié. Ouais. Ça fait rêver, hein, ça fait rêver. Super, bravo. Super. Allez, on applaudit le copain. Oh. Oh. Super. Et le groupe de... Alors, je vais remettre mon... Oui, non, c'est bon. Notre idée fofolle, ça serait de se rendre service entre voyageurs avec un genre de blabla colis entre voyageurs ou entre entreprises et voyageurs. Par exemple, votre voyage serait sponsorisé par une entreprise qui doit envoyer un colis rapidement ou à la dernière minute. Et vous payerez votre voyage ou quelque chose comme ça, ou un voyageur qui a oublié ses clés ou un paquet, voilà, pouvoir faire le trajet retour, le systématiser sur le site internet. Nous, on a réfléchi sur le site internet, donc comment mettre en place ce service sur le site internet. Et ça vous est venu de quelle image, juste pour voir un petit peu Ça nous est venu des livres. On est passé par la bibliothèque de rue, la bibliothèque de train. Non, c'était. Je vois l'image là. C'est l'espèce de truc en ferraille. Ah non, pardon. Là. Le ressort. Oui, c'est ça. Oui, c'était le ressort. Je vais le copier. Ok. Dites-nous là votre deuxième idée. La deuxième idée, coq en pâte, c'était toujours sur le site internet de pouvoir discuter avec l'application, parce qu'on fait le constat qu'on n'a plus personne au téléphone et que des fois on est perdu, et on devrait pouvoir parler à l'application et lui dire ben voilà, j'ai besoin de prendre un billet de train tel jour vers telle heure, j'ai tel budget, qu'est-ce que tu peux me proposer avec ma carte de fidélité, sans carte de fidélité, j'ai tel âge, etc. D'accord. Et puis le système, voilà. Ok, super. D'accord. Ok, ben bravo, génial. Et alors là, vous alliez tous voir sur Miro la photo qui les a fait amener à se rendre service. Parce que le lien, il faudra que vous me l'expliquiez. C'est vraiment, ça vient d'un truc. Ce sera intéressant. Comment vous êtes arrivé là, quoi. Mais l'essentiel, c'est l'idée que vous avez eue. Ça, c'est super. Le troisième, alors, bravo à vos deuxièmes groupes, c'est génial. Allez, super, c'est génial. Et le troisième groupe. Allez, est-ce qu'on a un porte-parole pour le troisième groupe? Je vais y aller, si ça vous va, les Isabelle. Allez, Sandrine. Oui. On est parti donc d'une photo de cookies chinois de fortune à l'intérieur où c'est écrit en gros in English, donc je vais le dire en français tellement je suis bilingue. Votre patience est bon pour les autres quelque part. Et puis des maillons d'une chaîne qu'on peut supputer de vélo, mais qui est voilà vraiment quelques maillons d'une chaîne. Donc on est parti. Okay. Un petit peu sur l'effet bonheur, surprise du cookie de fortune, et puis lien un petit peu quant à la chaîne. On est arrivé en idée fofolle avec un espace ludique. Sandrine, oui. Sandrine, nous on est parti sur les problématiques de retard. Ah oui, exact. Sur l'utilisateur, sur comment améliorer l'expérience quant au retard du train. Merci Isabelle pour cette précision, en effet importante. Et du coup, en idée fofolle, on est arrivé sur la piscine à boules ou la cage à boules où on peut aller sauter dedans gaiement pour se détendre un petit peu en exercice physique et en énergie. Et puis, on est arrivé au cours des cheminements à l'idée qu'en pas d'avoir une personne ressource, un géo, qui proposerait des icebreakers avec des connaissances interpersonnelles, des jeux positifs, assez courts et simples. Et puis, on a extrapolé jusqu'au wagon tiers-lieu, où là, un espace d'échange de savoir autant culturel que manuel, et qui serait récompensé par des points qui permettraient d'avoir des réductions sur les billets.
Alors, on n'avait pas eu le temps de conclure si on partait sur un hologramme ou de l'humain. J'étais en train de dire non, je veux rester dans l'humain quand il y a des avantages sur l'hologramme. Et on en est resté là, donc, sur cette idée de wagon tiers-lieu, espace d'échange et de savoir. Voilà. Bon, c'est bien, comme ça, on n'a pas Mélenchon qui arrive dans l'hologramme tout d'un coup. Bon, ben super, bravo. Allez, le coup 3, génial, bravo à vous. Super. Et c'est quand même, 10 minutes, 15 minutes et 10 minutes, c'est vraiment pas grand-chose quand on voit les idées que vous avez sorties qui sont, ouais. Qui sont quand même vraiment décadrantes et décadrées, quoi. Super. Ouais. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que quand on regarde la photo et quand on regarde les idées, on se dit comment vous êtes passé de l'un à l'autre, et c'est ça qui est génial, et c'est vraiment le but de l'histoire. Eh bien, juste pour finir là-dessus, et après, moi, je vais repasser la parole à Émilie. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelques réactions sur le retour là-dessus, quelqu'un qui veut partager un petit peu, retour ou question rapidement un petit peu là-dessus. Puis, vous pourrez toujours échanger avec nous hein, par la suite, mais pour le groupe. Non? Pas de retour, pas de questions. Alors, vous verrez, il y a une vidéo, j'ai mis dans le PowerPoint que vous recevrez, il y a une vidéo de Romain qui fait des annonces dans la SNCF, très marrante, mais qui voit un petit peu dans l'idée de tout ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà, si vous l'avez déjà eu en voyageant dans le train. Moi, je l'ai eu plusieurs fois et j'étais morte de rire à chaque fois. Il détend vraiment l'atmosphère de garçon. Je vais vous mettre le lien dans le chat, comme ça, vous pourrez aller le voir. Et puis sinon, je vous ai mis une petite réflexion de Brian Eno sur laquelle je suis tombé en préparant ça, qui dit « Les ordinateurs ne sont pas assez africains ». Et je vous laisserai découvrir le texte et ce qu'il dit dessus. Et je trouve que c'est super intéressant. Et ça dit tout ce sur quoi on a travaillé, quoi, en fait, finalement. Penser au client, à l'usager et comment lui, il aimerait utiliser plutôt que penser comment nous, on pense qu'il faut que ça soit utilisé, quoi. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment, que ça vous a donné un petit peu des idées sur ce fonctionnement et ce fonctionnement du détour et comment ça peut nous aider avec la créativité. Et puis, je vais laisser peut-être, du coup, Émilie finir pour conclure. Et je vais vous mettre les liens dans le chat pendant ce temps-là. Merci, Laurent. Si tu arrêtes ton partage d'écran, je pourrais partager Merci le mien. Beaucoup, je vais faire rapide hein, pour ne pas vous prendre trop de... grignoter trop votre temps de soirée, mais quand même, surtout pour ceux qui ne nous connaissent pas encore très bien, deux mots sur qui on est chez Iris Créativité. L'objet de ces webinaires, c'est vraiment de vous transmettre nous ce qu'est notre ADN. Hein. Mais en quelques mots, Iris Créativité, ben ce sont donc des formations hein, inter et intra à la facilitation en intelligence collective et créative, formation certifiante de facilitateur avec un parcours, soit un parcours certifiant complet sur 23 jours, soit des essentiels plus thématiques sur 8 jours, soit des modules de formation à la carte. Voilà, c'est aussi, comme Laurent l'a évoqué tout à l'heure, on édite aussi des outils d'animation créative. Donc, je vous invite à aller voir sur le site et toute la partie édition qui peut vraiment vous être super utile et pour toutes vos interventions et vos animations en groupe. On organise des hackings créatifs en commando, que ce soit en université ou en entreprise. Voilà, et puis on intervient en intra pour faciliter des sujets collectifs en entreprise. Voilà, avec une pédagogie qui évidemment est créative, hein, qui va aller solliciter, susciter, booster le désir d'apprendre. Et d'ailleurs, Isabelle Jacob a animé il y a 15 jours, je crois, Isabelle, un oui. webinaire sur justement éveiller le désir d'apprendre avec la créativité et comment est-ce que, en utilisant vraiment cette approche de pédagogie créative, eh bien, on va aller réveiller la motivation et le désir d'apprendre chez les apprenants, que ce soit des jeunes ou des adultes. Alors, les prochains webinaires d'Iris, hein, c'est donc le 2 juin sur les relations interpersonnelles et la créativité avec Nathalie Boyer. Et le 16 juin, comment manager avec la créativité avec Corinne Landais, donc toujours à 18h30.
est toujours en principe 1h45, mais comme vous le voyez, on déborde un petit peu, ça dépassera jamais 20 heures. Pour aller plus loin, donc juste une information sur les formations qui sont en lien avec ce que Laurent nous a présenté. Et en même temps, si vous êtes intéressé, moi, je vous invite à aller voir sur le site d'Iris, où vous allez avoir vraiment une large palette de formations, et ou d'appeler Nelly, dont vous avez la photo à droite, qui est vraiment notre pilier à tous et qui pourra vous donner toutes les informations super claires et pertinentes sur quelles sont les formations qui peuvent le mieux vous convenir par rapport à vos activités ou à vos projets. Hein, donc les formations là, qui sont en lien avec ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est les clés du fonctionnement créatif, débrider son imaginaire créatif, photo-langage, carte projective et relance visuelle, donc comment utiliser ça de façon vraiment utile et productive et en même temps ludique. Toutes les techniques combinatoires que Laurent a aussi évoquées, hein, les connexions forcées, altérations avec le « et soudain », le « et si », les consultants virtuels. Les approches sensibles et oniriques aussi qui vont permettre vraiment de favoriser ce détour créatif qu'il a évoqué, et l'analogie systémique au service de l'innovation. Voilà. Donc, vous allez recevoir… Et systématique. Ah oui, pardon, et systématique. C'est systématique, pas systémique. Oui, tu as raison. Une petite formation professionnelle. Pardon ? Des formations professionnelles, Émilie. Des formations professionnelles. Oui. le regard d'Isabelle, c'est quand même est affûté sur le sujet. Hein. Donc vous recevrez sous 10 jours, les personnes inscrites au WebIRIS recevront sous 10 jours le replay. Hein, vous aurez vous pourrez aussi revoir tous ces slides qu'on vous a partagés. Et puis, le cadeau pour les personnes qui assistent au webinaire, c'est 15% sur les clés du fonctionnement créatif, en précisant à Nelly que vous avez assisté au webinaire. Donc, c'est pour les nouvelles personnes qui viennent s'inscrire via les webinaires. Hein. Et qui ne connaissent pas Iris, ou peu, qui ne connaissent pas Iris. Voilà. C'est vraiment le cadeau de découverte d'Iris. Voilà. Merci de votre participation. J'espère que vous avez passé un bon moment, et j'espère aussi surtout que vous allez déjà peut-être commencer avec ces graines là, ces petites graines, voir envisager autrement vos interventions et l'animation de vos réunions de créativité. Merci. Merci, voilà. Merci à mes compères Sandrine et Isabelle. Merci. Et Isabelle, Pascal a dû partir parce qu'il y avait un problème qu'elle devait régler avec son fils, mais elle te passe le bonjour. D'accord. Okay. Voilà. Okay. Merci. Et le bonsoir. Merci à tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Au revoir. Ciao, ciao.